Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en ce 5 décembre pour le petit fait du jour sur nous. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour vous parler d'une autre passion qu'on a dans la vie. Oui. Que vous ne savez peut-être pas d'ailleurs. Et il s'agit de la musique. Globalement, et comme beaucoup d'entre vous, c'est certain, on écoute énormément de musique, on écoute tout le temps de la musique dès qu'on peut. Voilà, c'est vraiment une part extrêmement importante de notre vie au quotidien. 70% du temps, on est complètement d'accord, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes artistes, les mêmes styles de musique, enfin, on est complètement raccord, on écoute la même chose et tout nous convient. Mais 30% restants, c'est pas du tout ça. On est divisé, mais alors divisé quoi. On va aimer des choses complètement différentes, diamétralement opposées. Ouais. Je suis très rétro. Plutôt vieux rock'n'roll et tout, années 80, voire même avant et tout. Alors que Victoire, elle aime beaucoup la musique récente que moi je ne considère même pas comme de la musique. Moi, parce qu'elle écoute, je trouve ça d'une ringardise absolue. Enfin, je trouve qu'on les a entendus et saurés, revus et re-revus et voilà. Du coup, 70% du temps, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais alors, il suffit qu'il y en ait une qui met une chanson. C'est la guerre. Donc c'est vraiment drôle, c'est vraiment noir ou blanc en fait. Ouais. Et alors non seulement on écoute en permanence de la musique, mais en plus on chante tout le temps, on adore ça. Et d'ailleurs on chante pas que entre nous pour le plaisir, on fait aussi du chant lyrique toutes les deux depuis 3 ans. C'est ça. Au Conservatoire de Musique de Chantilly. Tous les mercredis soirs on participe à une répétition donc de chant en chœur. Voilà, on se produit régulièrement, alors dans les années normales, hein, par exemple l'année 2020 non. Non, aucun concert. On fait régulièrement des concerts dans différents endroits du coin et on peut chanter des trucs vraiment très variés, des trucs modernes ou vraiment du classico-classique. Mais ce qui est un peu inhabituel, c'est que c'est du chant lyrique qu'on fait, c'est pas du chant moderne variété. Du coup, n'hésitez pas à nous dire vous aussi dans les commentaires si par hasard il y en a parmi vous qui font aussi du chant lyrique, du chant classique, parce que c'est beaucoup moins répandu que du chant moderne variété. Voilà, c'était la petite anecdote du jour pour mieux nous connaître. On vous fait plein de bisous. Mouah. Et on vous dit à demain. À demain.